si tu t'abonnes à notre chaîne et que tu mets un pouce bleu, c'est quoi? À skip demain, t'as un prof absent. Bah c'est super ça, je vais avoir 2 heures pour manger. Wesh ta famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va surtout pour la qualification, et après bien sûr en même temps c'est un derby. Mais on veut vraiment aller loin dans cette Coupe d'Afrique et ça passe par une victoire demain, donc on va essayer. Ouais. C'est qui parle? C'est le seul qui va pas perdre. Non, c'est ça, lui, tranquille, en tout cas, il n'aura pas de problème avec le reste de la famille. Vous connaissez les enjeux de ce match, les clés aussi, la défense de la Tunisie, de l'Algérie et puis des... Voilà, donc, il disait... Ils sont fous. Donc, je disais, donc match, vous l'avez entendu, Algérie contre Tunisie. Le derby. Non, le vrai derby, c'est Algérie-Maroc. Mais Tunisie, ça fait partie d'un. C'est comme une finale, t'as vu, regardez, ils vont rentrer sur le terrain là. Ah, toi, c'est quoi ton pronostic? 2-0 pour l'Algérie. 2-0 pour l'Algérie, t'es chaud toi? Moi, je dirais. Moi, quand c'est l'Algérie qui joue, je suis à 200% derrière eux. Et quand c'est la France qui joue, je suis à 200%, tu vois. Donc là, c'est une de mes équipes favorites. Comme je suis algérien, je dirais 3-1 pour l'Algérie. Mais comme je suis. Si je serais pas algérien, je serais genre ni algérien ni tunisien, j'aurais dit 2-2. Parce que je suis pas serein. Franchement, je suis pas serein, il y a des absents. Il n'y a pas Mboli, t'as vu, et l'autre goal, je sais pas si. J'ai vu quelques vidéos sur lui, il fait des trucs bizarres des fois, il fait des gestes techniques de malade alors qu'il est au goal, il fait des roulettes, des trucs chelous, j'espère qu'il va pas faire ça dans le match. En tout cas, il a mis le maillot. Ouais. South Africa, il date de 2010 ton maillot. Ouais, je sais, c'était à la Coupe du Monde. 6 ans plus tard. Quoi, c'est qui derrière, fais voir? Bouguera. Bouguera, c'est. Eh, c'est même pas mon maillot, c'est celui de Nassim, il me l'a passé. Donc on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Bon les amis, le match il a commencé 2 minutes 34 de jeu, regardez déjà une très grosse action pour l'Algérie. Il était même pas hors jeu, il tire à côté en plus. Il a quand même raté. Comment tu gagnes un match avec un mec qui s'appelle Mandji? Mais c'est pas grave, ça va faire 3 minutes de jeu, l'Algérie, ils sont bien rentrés dans le match. Continuez comme ça les frères, continuez comme ça, on va gagner. On va arracher la victoire. En tout cas là on est en train de les bouffer. On est en train de les bouffer partout là, c'est bien, faut jouer avec la dalle. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc les amis, ce match-là, il s'annonce bien pour nous. Les Tunisiens qui regardent la vidéo, je sais pas il y aura combien à la fin du match, mais si on continue à jouer comme ça, je faute, pense... Mais c'est la grosse faute. Bonne faute. Oui, c'est gars. Ça Slimani. Eh hey, Mahrez, mets-le dedans Mahrez. Hein Abdennour. Allez Mahrez. Abdennour, il a un crâne, s'il te met un coup de tête... Tu meurs. Je pense que tu meurs. Hein. Tu décèdes. Tu décèdes direct. Hein. Derrière que sa tête, il blague pas avec Watt. Hein. Il lui reste qu'un tout petit peu de cheveux devant. Je pense qu'il te met un coup de tête, t'es mort. Est-ce qu'il m'a dit c'est un client, t'es mort? Ah ouais, 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 non, corps. Franchement, il y a faute. Oh là, magnifique. Abdennour, c'est bête ce que t'as fait. En plus, pas ici, frère, il est dos au but et tu fais faute comme ça. Tant mieux pour nous. Bon, on va voir s'ils vont la mettre maintenant. Toi, tu dis quoi? Tu dis qu'ils vont la mettre ou pas? Ouais, ils vont pas la mettre, mais déjà, ça va faire chauffer le match. Ah ouais, avec ton truc Yamaha, tu représentes même pas toi. Je représente les motos. Regardez-moi. Excusez-moi pour le doigt devant la caméra, mais regardez. Algérie, frère. On voit bien ? Ouais, on voit bien. Voilà, Algérie. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Tu sais, dans tous les matchs, je comprends pas. Hein. Dans tous les matchs européens, tout ce que tu veux, il y a les drapeaux de l'Algérie dans les publics. Là, il y a un match de l'Algérie, il n'y a aucun drapeau. C'est normal ou pas ? C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ah, c'est Riyad Mahrez qui tire. Je pense que tous les rebeux qui font du foot, ils devront être dans cette situation-là. Quand il y a un coup franc, tout le monde se tape pour le tirer. Il n'y a que les rebeux pour faire ça. Ouais, pratiquement que les rebeux pour faire ça. Tout le monde est comme un mort de faim pour aller tirer un coup franc. 4 minutes 30, coup franc de Mahrez. Ah, il y a moyen, il est en panique le goal. Hein. Oh là là, très très ouvert. Et là. Ah non, c'est Brahimi. Ouh, dommage. Dommage. Il a dit quoi? C'est claqué? Ah ouais, il a touché le goal, je crois. Attends, on va voir s'il a touché. Il a touché ou pas? Ouais, il a touché. Il est chaud le goal. Hein. Dommage. Donc les amis, on se retrouve dès qu'il y aura un but. Non, c'est vraiment serré. Hein. Des deux côtés, il y a des actions. Je sais pas qui va gagner au début. Je pensais que c'était l'Algérie parce qu'ils avaient grave bien commencé leur match. Mais là, ça va en être fait, chaud. C'est normal, il n'y a pas de spectateurs. Ouais, c'est un match de DH. C'est un match de DH. Wahbi Khazri, il est grave chaud. Les Tunisiens, c'est pas pour vous tailler. Hein. Je suis désolé, mais c'est pas pour vous tailler. Mais comment en 2017, on peut encore avoir un sponsor de maillot Ulsport? On m'explique ou pas? Honnêtement. Faut faire quelque chose là, la Tunisie. 44ème minute, c'est chaud! Si, il y a faute. Arrête de dire comment il peut donner la faute aux Algériens. Toi, t'es avec eux, toi, lui, il est avec eux. On va assister au but de l'Algérie en live. Toi, tu dis, y a but là? Y a but. T'as Abdennour, il a un crâne, il te met un coup de tête. T'es die. Allez, les gars. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est chaud. Franchement, pour l'instant là. Dans les 44 premières minutes, honnêtement, c'est équilibré, voire... Non, au niveau des actions de jeu. Au niveau des actions, c'est équilibré, mais au niveau du jeu, la Tunisie, c'est au-dessus. Hein, au niveau des passes. Mais après, au niveau des actions devant le but, c'est équilibré. Ce goal, il est fort. Hein. Allez, super fort. Allez. Hey, cette année, les goals africains, ils sont chauds. Hein. Hey, Mahrez, tire pas direct, stop. Lui, je le connais, c'est sa tête. Regarde que le deuxième poteau, regarde même pas Slimani. On va tenter notre chance. Hier, il va tirer direct.
Mais arrête, mais arrête, mais t'es un crevard, frère. Mais fais un centre. Y'a coup franc, fais un centre. Ouah, wow, il est stressé. C'est la mi-temps. Il refait le coup franc. Y'a quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a qu'en Afrique que tu verras des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il est sorti du mur avant que le ballon ait quitté le pied du mec. Ah ouais, y a, ok. Y a quelqu'un qui sonne, mais excuse-moi, y'a Algérie, tu me dis, je peux pas l'ouvrir. Ouais, ferme la porte, non? Ok, je sais pas c'est qui. Attends, on va bien regarder ce qu'il a fait. Ah ouais, il a fait un truc de ouf, lui. Bah oui, mais frère, mais pourquoi il tire direct, Mahrez? Pourquoi il tire direct, Mahrez, aussi? Bon, les amis, on espère voir un petit but avant la mi-temps, là, ça ferait super plaisir. Allez, les frères. S'il vous plaît, marquez un but. Faites-nous un petit plaisir, au moins. Centre, centré. Ah, ça y est, c'est Brahimi. Allez. Il est beau. Mais non. Oh, mais ça c'est foutaise, ça. Corner. Qu'est-ce que c'est que ça? Corner et lui, Benze Baini, il est au sol. Ah, il a sifflé la mi-temps tellement le niveau il est faible. La honte. La Tunisie, ils les ont torchés, mais d'une force. La honte. Oh là là là, j'ai la honte. 2-0. Depuis ce matin, j'entendais le match. Ah, il y a un goal qui va rentrer. Depuis ce matin, j'entendais le match, tout ça pour ça. T'as un mot à dire, Hamid? Enlève le maillot, s'il te plaît. On va faire le ménage avec demain. C'est un pyjama. Là, on monte. Mais pourquoi tu dis ça? L'Algérie, ils sont grave nuls. Et alors, je me suis perdu, c'est l'Algérie quand même. Et alors, oh là là. Arrête! Des joueurs de pétanque! Des joueurs de pétanque! Arrête! Ils ont une occasion en deuxième mi-temps. Une occasion. Franchement, la Tunisie, s'il y a des Tunisiens qui regardent, bien joué à vous. Hein. Vous avez une très très belle équipe. J'espère que vous irez loin. En tout cas, l'Algérie, oh là là. Inch'Allah, ils perdent. Ils sont éclatés. Regarde, le goal, il veut faire le mec qui sort. Ah, vous allez pas le Pogba et l'équipe de France. Hein. C'est vrai, la France, c'est mieux. Au moins, vous perdez pas les contre des équipes comme ça. L'autre, il dit Goulam, il a mal à la cuisse, il joue. L'autre là, comment il s'appelle? Slimani, il a mal à la cuisse, il joue. Ils sont là en train de boiter. Jouez pas si vous avez mal. Je sais pas moi. C'est une catastrophe ces joueurs. L'autre, on s'y. Comment il s'appelle l'autre là? Ils ont perdu contre un mec qui s'appelle Ahmed, comment? Ahmed Nakazaki. Al-Kaïchi. Oh là là là, Kadri, il leur a fait du sale. Ah, je suis dégoûté. T'es mal les supporters, mais c'est une film, les supporters, ils sont dégoûtés. Là, le goal il sort pour gagner du temps. Il est intelligent, c'est bien, t'as raison. Ah là, on. Il a un bide. Hein. Bah, c'est un gardien, frérot, il a 40 piges. C'est normal, hein, il en a mangé des couscous. Regarde la différence des. Oh là là. Bon, bah tant pis, hein, Géry, c'est fini pour la CAN. Viens, lui, il a mis quoi dans tous ses yeux. Il a mis quoi? Le goalkeeper. Wesh! Filme sa tête. Qu'est-ce qu'il a? L'humiliation totale. Regarde comment il humilie. Humiliation totale. Oh l'enfoiré. Pourquoi il lui a mis ça? C'est pas bien pour se foutre de notre dieu. Qui lui a mis ça? C'est lui là qui met ça. Ah, c'est un gamin. Théma, il a mis quoi sur sa tête? C'est pas bien. Théma. Pourquoi il met ça? Je sais pas. Mais pour les vestiaires, à mon avis. C'est lui qui a fait un cri de guerre. Ouh, aujourd'hui. Ils vont faire ça dans les vestiaires, tu vas voir. Laisse-moi rentrer là. À ce qui paraît, c'est pas fini. J'aurais kiffé rentrer dans ce moment. À ce qui paraît, il reste 4 minutes, c'est pas fini. On va vivre les dernières 4 minutes ensemble. La France, c'est fini. Hein. Toi, arrête des fétiches là, tu rends ouf. Allez les gars, ils ont mis un bon but. Allez, siffle pas. Mais siffle pas ta tête de boule de cristal là. Ah, il rend fou, lui, il ressemble à Michael Kyle dans Junior, là, il me rend gueudin. Il siffle pour rien. Putain. Alors lui, l'entraîneur, il a pas compris le système de marquer, il fait encore... Oui, on gagne du temps pour perdre, c'est mieux. Ah, lui, il a fait un vieux match.
Il a mis une bonne frappe, c'est tout. Et la fin de ces vieux matchs, que l'essayer de se confronter pour voir s'il arrive à dribbler. Vas-y, sors. Va dans les vestiaires. Il a fait rentrer qui? On le connaît, hop. Non! Heureusement qu'il y avait hors jeu parce qu'ils ont fait du jeu. Allez, c'est maintenant là! Allez, c'est maintenant. Va, mon gars! Mais avance! Hey, Goulam, ça se voit, il est blessé! Ah, bien joué! Allez! Ah, mais faut y croire là! Oui, bien joué, il a paniqué! On peut le faire! Benta, il va tirer! Hey, il tire même pas, hein. C'est ça le pire! Attends, c'est moi, j'ai un vieux but, l'autre! Pourquoi il a pas mis en tête là, la touche là? Pourquoi il a pas mis la balle en touche? Allez! Tire pas, seul! Bien joué! Allez, tous dans le centre! Mais tire pas! Allez, Mahrez, fais montrer que t'es le meilleur joueur d'Afrique. Oh. Mais il est claqué! Bien joué, Mahrez. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais. C'est quoi son. Il a fait un nouveau geste, Mahrez. Laisse tomber. Le jeu passe pas. C'est mal lui. Allez! Ah, les Tunisiens, vous avez chaud, hein? Ils sont mal en fin de match, là. Regarde avec ses lunettes, c'est lui qui a tout niqué, là, la sélection, là. Ah, il me rend fou. Et entraîneur là. Allez, fais ta touche. Mais non, Michael K, il arrête de la donner. Ils sont tombés dans les touches, frère. Ils sont tombés dans le vice des touches. Tu vas rester pendant 15 ans sur la touche. Il va leur rester une action, frère, s'il marque. Non, il va rien du tout leur rester, à mon avis. Bon, ils vont rester dans les touches pendant 15 ans. Ah, l'arbitre laisse une minute de plus, hein. Il a niqué le match. Vas-y, perds le ballon, c'est bon, il va garder du temps. Mais non, mais voilà, ils vont rester pendant 15 ans dans les touches. Ouais, j'étais Tunisien, c'est ça votre jeu? Vas-y, c'est bon, c'est fini, ça fait 5 minutes.